Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur, de tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et te rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Voilà, que cette antienne qui ouvre notre célébration de l'Eucharistie soit comme une parole prophétique que nous nous approprions dans sa prophétie. Alors, je crois en 1969, le cardinal Ratzinger avait annoncé ce retour des nations vers le Seigneur. Puisse cet événement, ce confinement, être l'occasion pour un retour au Seigneur. De chacun de nous, c'est notre démarche de carême, encore une fois un carême un peu particulier. Un retournement vers le Seigneur, ce n'est pas une conversion morale, consisterait à passer du mal au bien, ça doit être un fruit, mais un retournement intérieur comme le fils prodigue qui fit retour sur lui-même et qui commença son chemin pour revenir à la maison, dans la maison de son père, et découvrir à quel point il est aimé tel qu'il est. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose en nous du fils prodigue qui nous invite à reconnaître combien nous nous sommes éloignés du Seigneur de bien des manières différentes. Soit par un choix radical, soit par l'habitude, soit par des sortes de compromissions. Et le Seigneur veut se manifester à nous dans toute sa tendresse. Voilà, nous allons entendre tout à l'heure dans l'Évangile cette réponse de Jésus au scribe qui lui demande quel est le premier, quel est le plus important des commandements. Jésus va lui répondre, évidemment, comme nous le savons, de manière étonnante. Frères et sœurs, d'un seul cœur, unis comme les membres d'un même corps qui est appelé à être purifié, à être transformé, tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour nous asseoir, pour écouter la parole de Dieu. Merci de lire bien fort, Jean-Michel.
Lecture du livre prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Seigneur, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme les lys. Il étendra sa racine comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa pâture sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre les froments. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme les cyprès toujours verts. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y s'avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé les fardeaux. Quand tu criais sous l'oppression, j'étais sauvé. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. J'y répondais caché dans l'orage, j'étais couvré près des eaux de Meriba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'aurais pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je les nourrirai de la fleur et du froment, je les rassasirai avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, dans le royaume des cieux, car le royaume des cieux est tout. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. » Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force,
aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. J'ai reçu une petite photo d'une famille qui est malade et qui est alitée. Et voilà, ceux qui sont malades, restez bien alités ou confortablement installés pendant toute la messe. Voilà, d'abord en commençant par les quatre premiers mots de ce passage d'évangile, en ce temps-là. Voilà, il y a des moments dans la vie où en ce temps-là prend une dimension particulière. C'est vraiment pour aujourd'hui. Voilà, puissions-nous, dans un acte de foi et de reconnaissance, considérer que la parole de Dieu que nous venons d'entendre, qui est une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle est déjà annoncée dans l'Ancien Testament avec la première lecture que nous avons eue. Cette bonne nouvelle, elle est en ce temps-là, en ce temps qui est le nôtre, voilà, dans ce contexte de confinement. Et évidemment, la parole de Dieu, vous savez ce que dit le prophète Isaïe, elle ne remontera pas au ciel comme la pluie sans avoir accompli ce pourquoi elle nous est donnée. Croyons vraiment, et c'est un acte de foi, voilà, nous pouvons là, dans cet instant, dire « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà, que nous nous mettions à l'école de la Vierge Marie, qu'il me soit fait, qu'il nous soit fait, Seigneur, conformément à ta parole. Vous avez entendu hein, dans la première lecture, vraiment comment Dieu nous annonce par la bouche du prophète Osée quelle est la dimension de son amour. Hein, c'est-à-dire ce pardon, ce peuple qui revient vers lui. Et ce n'est pas Dieu qui attend que le peuple revienne vers lui. La proclamation du prophète Osée est une puissance d'attraction. J'aime bien cette expression qui dit « la foi est une histoire d'aimantation, d'attraction ». Vous voyez, comme un aimant attire un bout de métal, la parole de Dieu exerce sur nous une aimantation. C'est peut-être nous qui avons l'impression de faire le premier pas. En fait, c'est Dieu qui accomplit tous les pas et qui, en nous appelant, nous donne la capacité de répondre. Voilà, ça c'est la première chose. Donc laissons-nous toucher, voilà, n'ayons pas peur, pas de scrupules. Peut-être que quand on a un peu le temps de faire un retour sur soi-même, surtout, particulièrement quand on a connu l'épreuve de la maladie, on prend conscience vraiment de la fragilité de notre existence et combien nous avons besoin du coup de l'appuyer sur un rocher, sur un roc, qui est le Seigneur lui-même. Voilà, le scribe, donc, un scribe, c'est le spécialiste, celui qui connaît les Écritures, vous voyez, et il demande, c'est un cas d'école, en fait, comme il y avait dans le judaïsme 613 commandements, et bien, un cas d'école, c'était un peu de demander lequel était le plus important. Alors on voit d'ailleurs comment l'Ancien Testament, comment ce nombre a été condensé petit à petit, et Jésus là va lui répondre, mais alors de manière toujours étonnante. Voilà, si Jésus est un maître, un rabbi, et en même temps, il l'est d'une manière particulière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va dire à ce scribe, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Mais ça, je vais y revenir sur cette réponse assez étonnante. Donc d'abord, il lui dit, le premier commandement, c'est « Écoute ». Allez, un juif pieux connaît Shema Israël, écoute. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la parole de Dieu, elle nous est donnée vraiment comme une puissance de transformation. Vous vous rappelez ce petit chant « Si tu as la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. » Voilà, par la foi, en l'accueil de la parole de Dieu, vraiment, nous pouvons soulever des montagnes. Mais l'écoute, c'est vraiment se décentrer de soi-même. Personne ne peut inventer ce que la parole de Dieu nous révèle. Personne ne peut inventer ce que Dieu lui-même, la manière que Dieu a de se révéler à nous et ce qu'il nous révèle, c'est-à-dire un amour infini. Si je ne commence pas à écouter, comment puis-je vraiment me laisser travailler par la parole. Et voilà, ça, écoute Israël, écoute, que chacun de nous prenne le temps d'écouter la parole de Dieu. Et puis après, c'est le Seigneur notre Dieu et l'unique Seigneur, et l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son intelligence, de toute son âme, c'est de tout son être. Il n'y a pas quelque chose en nous, une composante de notre être qui pourrait être dispensée d'une certaine manière
de cet amour. Alors, il y a des personnes, vous savez, c'est ce que disait Thérèse de Lisieux, il y a des petites cruches, des moyennes cruches et des grandes cruches. Voilà, moi, Père Gilles, je suis peut-être une petite cruche, mais quel est l'intérêt de cette petite cruche? C'est qu'elle soit toute remplie, finalement, de cet amour pour Dieu. Et c'est plus facile de remplir une petite cruche qu'une grande cruche. Enfin, je crois que c'est un peu ce que veut dire Thérèse de Lisieux. Et l'intérêt d'une cruche, c'est qu'elle soit remplie, qu'elle déborde, vous voyez. Et même si la cruche est fissurée, comme la grâce de Dieu est surabondante, même si elle est fissurée, de toute façon, son intérêt à elle, c'est d'être toute débordante, et que du coup, elle se livre totalement à Dieu. Et voilà, ça c'est vraiment le premier commandement, que toute notre vie soit orientée à Dieu. Et alors, il y a le deuxième commandement, Jésus dit qu'il lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À vrai dire, vous avez vu, là, il y a deux commandements. Donc Jésus n'a pas répondu par un commandement, mais par quatre commandements. Écoute, premièrement. Deuxièmement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. Troisièmement, aime ton prochain. Aime ton prochain. Ça, on peut dire que c'est à la fois la vérification de notre amour pour Dieu et en même temps, aimer mon prochain, c'est vraiment ce qui enflamme aussi mon cœur, finalement. Je crois que c'est Charles de Foucault qui disait quelque chose comme ça. Et comme toi-même, alors ça, c'est un aspect qui est important. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ben, c'est ton prochain, comme toi-même tu es aimé. Comme toi-même tu es aimé. C'est parce que tu es aimé que tu es invité à aimer, voyez. Et en même temps... Ben, c'est vrai que je ne peux aimer qu'à partir du moment où je suis vraiment réconcilié avec moi-même. On sait bien comment des blessures ferment notre cœur. Il y a aussi des blessures qui ouvrent notre cœur. C'est ce que disait, je crois, Peggy, qu'il y a des cœurs qui sont tout rayés de l'intérieur et qui laissent passer vraiment la grâce. Les blessures de notre vie peuvent vraiment être transformées pour que notre cœur soit rempli d'amour, déborde d'amour. Voilà. Vous avez vu que le commandement est au futur, et ça, je pense que c'est important. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Pourquoi est-ce que c'est au futur? Eh bien, parce que c'est un chemin, en fait. Vous voyez, on peut dire, je crois, et en même temps, comme le centurion romain qui dit, je crois, mais viens au secours de mon incroyance. J'aime, Seigneur, mais apprends-moi à aimer, parce que j'ai jamais fini d'aimer. J'espère, mais vraiment, viens au secours de mon manque d'espérance. Voilà, nous sommes en chemin, hein. On croit avec ses pieds, on aime le Seigneur avec nos pieds. Voilà, que nous ne soyons pas, même en ce temps de confinement, des chrétiens canapés, comme disait le pape François aux jeunes, mais que même si c'est dans un espace réduit, qu'intérieurement nous soyons vraiment toujours en mouvement et en déplacement, que nous n'ayons jamais la peur ou l'empêchement de notre propre volonté de nous lever et d'aller vers le Seigneur. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Voilà, comme dit l'Écriture, comme dit la parole de Dieu. C'est un chemin à parcourir et sur lequel nous avons toujours à nous décider. Voilà, aimer, ça n'est pas une question d'émotion et de sentiment, c'est une question de volonté. Rappelez-vous ce dont parle Sainte Thérèse d'Avila, elle dit cette petite chienne de bonne volonté. Voilà, la petite chienne de bonne volonté, que nous ayons toujours cette petite chienne de bonne volonté qui nous dit, allez, je me lève et je vais vers mon Père qui m'aime, et je peux vraiment m'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas, je ne peux pas la déformer. Il n'y a rien en Dieu qui soit fermeture vis-à-vis des pécheurs que nous sommes, on l'a aussi entendu dans la première lecture. Voilà, que ce temps de carême soit pour nous l'occasion vraiment d'écouter la parole de Dieu. C'est facile, j'espère que chacun de vous a une Bible à la maison. Voilà, c'est peut-être l'occasion de l'ouvrir, de la dépoussiérer. Vous pouvez aussi trouver sur Internet la Bible sur le site aelf.com. Il y a beaucoup de sites qui proposent des Lectio Divina. Vous pouvez simplement réécouter cette messe en replay, mais vraiment écoutez, vous asseoir, asseyez-vous, même en famille, prenez le temps de lire la parole de Dieu et de la méditer, de la ruminer. Voilà, j'aime bien l'image des vaches dans les prés qui ruminent. Je ne sais pas si je peux imiter ça correctement, vous voyez, c'est,
La parole de Dieu diffuse son suc bienfaisant de sagesse, de renouvellement, de conversion, pour qu'elle produise tous les fruits que le Seigneur veut. C'est pas nous qui décidons ce que la parole de Dieu va produire en nous, c'est Dieu qui le sait. Et vous savez combien il nous aime, combien il a ce désir de nous nourrir. Amen. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais dit que je vous parlerais de la proximité du royaume de Dieu. Eh bien, en fait, Jésus dit ça, cet homme, il a fait une remarque judicieuse, il a bien parlé. C'est bien de bien parler. En même temps, il s'agit de garder et de pratiquer. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus lui dit, fais attention, tu as fait une remarque judicieuse, tu as bien parlé, tu es un bon théologien, mais il faut vraiment le mettre en pratique. Et l'autre aspect, eh bien, Jésus, en fait, il commence sa prédication à la suite de Jean-Baptiste par la même expression que lui, le royaume, convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Alors c'est différent de Jean-Baptiste, qui lui parle d'un point de vue chronologique, Jésus parle d'une réalité, parce que le royaume de Dieu, c'est lui. Et ce qui change tout, en fait, dans le royaume de Dieu, c'est que nous accueillons le Christ. Alors oui, le royaume de Dieu, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est fait proche. Dieu s'est fait proche. Et il m'appartient à moi de prendre cette décision et de dire, Seigneur, voilà, avec la Vierge Marie, ben, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Cette fois-ci, Amen. Voilà, l'équipe Alpha Classique avait prévu, à qui était confiée la préparation de la messe du 19 mars, donc celle que nous avons célébrée hier, jeudi, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi, avait choisi cette prière justement de Charles de Foucault, Notre-Dame dit oui. Et voilà, pour accueillir la parole de Dieu et pour nous préparer à cette Eucharistie, je vous lis cette prière. Notre-Dame qui, par ton oui, a changé la face du monde, prends près de toi ceux qui veulent dire oui pour toujours. Tu sais le prix de ce mot. Fais que nous ne reculions pas devant ce qu'il exige de nous. Apprends-nous à le dire comme toi, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Demande à ton Fils Jésus que nos oui quotidiens servent plus parfaitement à la volonté de Dieu. Pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. Oui, pardon, ça n'est pas l'équipe, la fraternité Alpha Classique, mais Alpha Couple. Merci. Maintenant, je prépare la table de l'Eucharistie avec mon frère Jean-Michel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, il est le fruit de la vigne et de la vendange des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La messe d'aujourd'hui est célébrée à l'intention de Marie-Louise Pengam.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un regard de paix. La paix du Christ, Jean-Michel, la paix du Christ à tous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps, ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier ensemble la prière de l'Ave Corps, qui est notre prière pour ce temps d'épidémie, voilà, avec la séquence à l'Esprit Saint que nous proclamons à la Pentecôte. Ce sera certainement
pour nous cette année une Pentecôte vraiment qui sera une nouvelle Pentecôte. Cœur très saint, cœur très doux, cœur très humble, nous te saluons. Cœur donné sans réserve, cœur plein de miséricorde, cœur très aimant de Jésus et Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, nous te le consacrons. Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le. En lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais. Ainsi soit-il. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voilà, je vais maintenant installer le Saint-Sacrement pour que nous ayons un temps d'adoration en communion. Prochain rendez-vous à 15h avec la méditation du chemin de croix, toujours dans l'église de Saint-Marceau-Sainte-Jeanne-d'Arc. Et puis ce soir à 23h, nous commençons donc l'adoration, alors d'une manière particulière, dans un esprit de communion et de foi, parce que bien sûr, quand nous venons ici adorer le Saint-Sacrement, c'est la présence réelle. Quand nous sommes en prière devant un écran d'ordinateur, ce n'est pas tout à fait la présence réelle, mais l'important, évidemment, le Seigneur accueillera cette démarche que nous faisons de prendre un moment dans cette nuit pour être en communion avec lui devant cette image. Ce soir, nous sommes en train de préparer une rencontre avec un petit programme un peu particulier pour les jeunes de la Maison des Jeunes. Voilà, on va être reliés par Internet. Et puis demain matin, la messe à 8h, je vous invite à prendre les feuilles de chant que normalement vous avez dû ramener chez vous suite à la messe du week-end dernier. Parce que ben, pour le coup, Jean-Michel est un organiste, il chante bien. Alors ben, demain, la messe sera chantée. Voilà, on va préparer ça avec Jean-Michel. Et si vous avez ces feuilles, ben, on prendra les chants qui était prévu pour le temps du carême. Voilà, n'oubliez pas, demain, samedi, depuis longtemps, l'Église nous invite à consacrer cette journée à rendre grâce pour la Vierge Marie. J'installe ce qu'il faut pour l'adoration.
Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà, nous vous rappelons aussi qu'il est toujours possible de s'inscrire pour l'adoration cette nuit. Et si vous avez un problème pratique, un problème technique, ben vous pouvez contacter en particulier Audrey qui viendra à votre secours. Oui, quelqu'un signale que je n'ai pas béni avant d'installer le Saint-Sacrement. Normalement, en rigueur de terme, quand on installe le Saint-Sacrement, la bénédiction vient après.
Seigneur Jésus, en ta présence réelle, je te confie d'une manière toute particulière toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en prière devant leur écran. Je te demande de leur communiquer toute ta grâce, toutes les grâces de l'adoration. Je te demande de nous établir dans une communion spirituelle profonde, la communion des saints. Nous sommes chacun membre de ton corps, Seigneur. Je te confie aussi aujourd'hui toutes les victimes de cette maladie, tous ceux qui sont décédés de cette maladie ou d'une autre. Je te confie leur famille, je te confie leurs proches, je te confie tout le personnel médical, les médecins, infirmiers et chirurgiens, tous ceux qui interviennent directement dans ce grand champ de bataille contre la maladie. Je te confie les chercheurs qui cherchent, qui travaillent d'arrache-pied pour trouver un traitement, un médicament contre ce virus. Je te confie tous les commerçants, tous ceux qui continuent d'assurer le service important dans notre monde aujourd'hui. Tous ceux qui nous permettent de nous alimenter, commerçants, ceux qui livrent, ceux qui récoltent, ceux qui produisent. Je te confie toutes les personnes qui s'occupent des gens dans la rue, des clochards, des sans-domicile fixe. Je te confie tous les migrants qui vivent loin de leur pays, en déplacement, dans des conditions difficiles. Je te confie les hommes et les femmes politiques qui doivent prendre des décisions. Je te confie tous les enseignants qui continuent d'essayer de transmettre à leurs élèves, aux étudiants. Je te confie les équipes de funérailles, les ministres ordonnés qui accompagnent les familles en deuil. Je te confie les services de pompes funèbres. Confie à toutes les paroisses qui essayent de mettre des choses en place pour assurer ce suivi et cette communion, pour nourrir. Je demande surtout, Seigneur, d'envoyer sur nous ton Esprit Saint pour que nous puissions vraiment, au nom de l'amour que nous avons pour toi et pour nos frères, trouver les idées, continuer d'être créatifs en ce temps d'épreuve. Nous savons que la charité n'a pas d'heure, que la charité est créatrice, parce que l'amour, c'est toi. Je te prie pour tout le personnel des communes qui continue de prendre en charge nos déchets, nos détritus, nos poubelles. Je
Je te confie tout le personnel, les transports en commun. Je te confie les transporteurs. Je confie les personnes seules, isolées, confinées. Je te confie les personnes qui prennent en charge les personnes âgées dans les institutions, EHPAD ou autres. Je te relais, Seigneur, cette intention de prière du Père Xavier de Loncamp, cette maison qui accueille des personnes handicapées. Certaines d'entre elles sont malades, sont contaminées par ce virus et qui sont dans une très grande dépendance. Viens à leur secours, Seigneur. Confions aussi à toutes les municipalités qui travaillent pour garder du lien avec les personnes seules. En ton nom, Seigneur Jésus, dans l'autorité de ton nom qui n'a pas de limite. Continuons de réduire à l'impuissance, d'enlever toute autorité à cet esprit de mort, de maladie, de le lier au pied de la croix, et afin que le Seigneur, que toi, Seigneur, tu fasses d'eux ce que bon te semble, ce que tu as prévu depuis toujours. Jésus veut dire Dieu guérit, Dieu sauve. Par l'autorité de tous les saints, de Saint Jean-Eudes en particulier, que nous invoquons en ce temps d'épidémie, de tous les saints, Saint Roch, Sainte Jeanne d'Arc, par leur intercession et dans l'autorité du nom de Jésus, cet ennemi de l'humanité soit chassé, anéanti. Et nous plaçons ta croix comme un sceau puissant sur chacun de nous, sur chacune de nos familles, sur nos communautés, sur notre pays, sur notre diocèse, sur le monde entier, comme un sceau puissant qui nous protège de cet ennemi. Nous proclamons la victoire du Christ ressuscité.
Voilà, nous entendons les cloches de notre église qui sonnent habituellement pour la messe de 9h.
Voilà, Seigneur, je te demande aussi de bénir nos agendas. Je regardais ce matin mon agenda, voir les réunions qui étaient prévues en ce moment, en temps normal. Voilà, d'habitude, notre agenda, c'est un instrument un peu symbolique, avec l'impression que nous contrôlons nous-mêmes notre vie. Je te demande de bénir notre agenda, Seigneur, pour qu'il soit vraiment toujours et seulement au service de ton royaume. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et Seigneur, je te confie aussi tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Nous en sommes maintenant à 286. On approche. Il nous faut 1000 abonnés pour pouvoir diffuser. Merci à chacun de se mobiliser pour transmettre à vos contacts en leur demandant de bien vouloir s'abonner. Ça ne les oblige pas à se connecter, bien sûr, mais ça nous permet, nous, de continuer de diffuser dans de meilleures conditions, même si nous rendons grâce à Dieu d'avoir de telles conditions.
Oui, et nous invitons tous ceux qui ont bien voulu s'abonner sur notre chaîne YouTube à le faire aussi pour la paroisse Saint-Laurent à Orléans. Voilà, ça ne coûte rien de vous abonner à deux chaînes. Et si chacun de nous fait ça, comme la paroisse de Saint-Laurent fait la même démarche, on va avancer deux fois plus vite. Voilà, c'est une des grâces de la solidarité. Voilà, chacun peut s'abonner à trois chaînes catholiques pour nous soutenir les uns les autres, notamment celle de Saint-Laurent. On va vous transmettre les coordonnées de la paroisse Saint-Laurent. Je pense que vous pouvez trouver ça assez facilement sur YouTube. Et merci de vous y abonner. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.
Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous ayons part avec toi à tous les fruits de la rédemption, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À plus tard à tous.